La grande richesse du projet, c'est de réunir des structures culturelles emblématiques de la commune, donc la bibliothèque, la maison de jeunes, le service jeunesse, l'académie et le centre culturel. Et donc ce qui est formidable, c'est qu'on est déjà avec plein de projets en commun, mais là, dans un même lieu, être ensemble, partager des espaces, on va renforcer nos synergies. Et ces synergies, c'est aussi au service de la population. C'est-à-dire qu'à plusieurs, sur un même lieu, avec des espaces partagés, on va être plus fort et on va pouvoir proposer encore plus de projets à encore plus d'habitants, que ce soit dès le plus jeune âge jusqu'à nos seniors, à nos aînés. Donc c'est vraiment être à toutes les générations auront une place dans ce futur pôle culturel. Aujourd'hui, on va avoir un espace où tout le monde, effectivement, se pourra se retrouver et qu'on pourra faire. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'on pourra faire des liens très facilement. Je suis évidemment ravie à l'idée d'avoir un pôle spectacle avec une salle qui pourra accueillir notamment les représentations et les concerts de l'Académie. C'est essentiel pour nous d'avoir ce lieu d'expression où l'on peut partager le fruit de notre enseignement avec le public. Nous enseignons quand même des arts, que ce soit la musique, que ce soit les arts de la parole, le théâtre ou encore la danse, des arts qui sont faits pour être partagés en scène devant un public. Et donc là, nous manquons cruellement, mais cruellement, d'un lieu où c'est possible. Cette salle de spectacle, elle va aussi pouvoir répondre à toutes les demandes des écoles forestoises et des associations ou des compagnies qui sont dans la pratique amateur. Et donc c'est un espace qui va leur permettre de pouvoir faire leur fantifère, leur fête de fin d'année. Mes rêves et ceux de mes professeurs et des élèves aussi qui attendent impatiemment le projet ABI tournent évidemment autour de l'infrastructure qui sera enfin adaptée à notre enseignement, à nos pratiques. Nous pourrons enfin avoir des locaux avec une performance acoustique, avec de l'espace, permettant tous les projets auxquels on rêve et qu'on ne peut pas toujours réaliser actuellement.